Everything is always working out for me. I'm a blessed girl. Bonjour papa. Bonsoir. J'ai voulu parler des démons ou encore des possessions maléfiques ce soir. Que ça va vous aider. Parce que les choisis ont des... On va vouloir jouer avec votre mental. On va vouloir jouer avec votre mental. Et... Je dois absolument vous partager ceci avec vous parce que sinon vous allez croire que vous devenez folle. Vous allez croire peut-être que c'est vous ou bien... Oui. Attendez, je vais mettre la capsule ici et puis on va commencer. Vous savez, avec le monde virtuel qu'on a aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup. On se rencontre en ligne, on ne sait pas qui est qui. On a même des personnes qu'on connaît depuis longtemps. Et avec le temps, vous découvrez que vous vous rendez compte que telle tante, tel oncle n'était pas bénéfique pour moi. Cette personne peut-être a travaillé sur moi pour que je n'avance pas. Cette personne a utilisé peut-être des fétiches pour que je n'avance pas. Cette personne a passé son temps à me maudire, à donner des paroles négatives sur ma vie pour que je n'avance pas. Donc, je sais que c'est un peu douloureux pour certaines personnes. Mais, bonsoir Julia. Vous avez un lien sur la page sur TikTok si vous voulez un entretien avec moi. Vous cliquez sur le lien, ça va vous amener sur WhatsApp. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, parce que ça va vous aider dans les prochains jours. Vous êtes dans le milieu d'une bataille spirituelle. Certains d'entre vous, la nuit, parfois, vous rêvez, vous vous trouvez en train de courir. Vous traversez, parfois vous traversez un champ de bataille et les gens sont en train de vous tirer dessus. Parfois vous êtes habillé en tant que officier, soldat, général d'armée, peu importe, mais vous vous sentez dans une bataille. Ça, c'est ce que votre esprit essaie de vous montrer. Et il y en a parmi vous, vous vous trouvez souvent dans des prisons. Tu te sens, tu as toujours un rêve où tu te vois toujours dans une maison quand tu étais petit. Ce genre de maison, tu fais, donc chaque année, tu fais le rêve là au moins 10 fois, 10 à 12 fois. Donc chaque mois, tu fais ce rêve au moins une fois. Certains d'entre vous, vous avez, sans le savoir, vous êtes sous l'emprise d'un esprit familial. C'est fou parce que quand j'ai déjà eu affaire des délivrances, par exemple, la femme arrive, elle est normale, elle parle avec toi. Elle t'explique ses problèmes. Et dès que tu commences à prier pour elle, tu commences à travailler sur elle. Tu vois comment elle flippe.
Et l'esprit commence à manifester. Et c'est là que généralement il commence à rire, il parle, il va dire des trucs. Et si on ne filme pas la personne, si elle ne fait pas la vidéo, la personne va croire que je mens. Parce que quand elle revient en elle, et c'est vrai que c'est parfois flippant, genre, mais moi je suis normal, comment tu peux me dire qu'il y a un esprit qui est en moi ou bien comment tu peux me dire que. On est plus ou moins ouvert, si on ne fait pas attention, susceptible, je dirais, à ouvrir la porte ou pas à des entités négatives. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un, qu'il y a des gens qu'ils ne peuvent jamais avoir de problème dans ce genre-là. Non. C'est pour ça que dans la Bible, Paul et Pierre, je crois qu'ils parlent dans les épîtres, bonsoir Jessica, ils disent il y a des, il y a il y a des sentiments comme l'envie, la jalousie, hatred, c'est quoi la haine, la colère. Ce sont des portails qu'ils peuvent facilement utiliser, flip, pour entrer dans toi. Quand Caïn était jaloux d'Abel, je crois qu'on va prendre ce passage-là. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Je chasse tout mauvais onde dans votre maison. J'enlève les distractions. Et je déclare la lucidité, que ce soit vous qui m'écoutiez maintenant. Je ne suis pas ici pour lire les cartes. C'est Francesca, je ne sais pas qui. Je ne suis pas ici pour lire les cartes. Si ce que je te dis, tu n'as pas, tu peux pas écouter, si ça ne te concerne pas, tu peux partir. Ok? Voilà. Je demande la clarté et la lucidité dans votre esprit pendant que je parle. Voilà. Je vais vous montrer, c'est dans Genèse. Vous n'aimez pas avoir la lucidité, vous n'aimez pas le discernement. Vous aimez être comme des brebis qu'on entraîne seulement. C'est pour ça que je fais très rarement les séances où je me mets ici pour lire les cartes. Parce que vous aimez ça. À part ça, rien d'autre. Vous ne voulez pas lire la Bible, vous ne voulez pas. Rien, rien, rien. Rien. Et c'est comme ça qu'on va vous emmener dans des trucs. Chaque fois qu'un démon se pointe, chaque fois qu'un démon se pointe, dès que tu dis Jésus, ah, il n'appelle pas son nom, on n'appelle pas celui-là. Donc peu importe ce que vous allez dire de Jésus, peu importe, je m'en fous. Il va rester le seul. Tente un peu de dire Jésus, ah, même Marie, ah non, 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 celle-là ne l'appelle pas. Non, non, n'appelle pas son nom ici. N'appelle pas son nom. C'est là que vous allez croire. Bon, je vais aller à Genèse, chapitre Caïn et Abel, chapitre 3 ou 4. On va regarder. Un démon ne peut pas venir entrer dans ton corps comme ça. Un démon ne peut pas venir entrer dans ton corps comme ça, là, pour rien. Jamais. J'ai grossi, on se connaît. Tu étais un de mes ex que tu as grossi, on se connaît. Fais voir si on se connaît quelque part. Bon, Genèse chapitre 4. On va lire verset 6. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Il y avait déjà la jalousie, il y avait la colère, il y avait la victimisation sûrement, ouais, voilà. Il y avait déjà tous ces sentiments-là. Je veux vous parler de ça parce que beaucoup d'entre vous, quand vous arrivez ici, avez vos démons-là. Pour vous, c'est que tout le monde entier vous tombe sur la tête. Oh, l'injustice. Tout le monde est injuste sur moi. Oh, ceci. Oh, poivre de Benja, ne te dérange pas pour me défendre. Comme tu dis que je suis ancienne là. Quelqu'un me parle ici, ça m'énerve, je le bloque. Moi, je ne suis pas là pour causer avec vous. Donc, si vous voulez gâter votre dimanche à m'écouter et souffrez de m'écouter. Si mon poivre vous dérange, vous partez. Pardon. Allez chercher les filles qui sont effilées avec les mécopes. Je ne suis pas là-dedans. Vous allez voir que à ce
moment, Caïn n'a pas encore péché. Caïn n'a pas encore péché. Il y a le sentiment qui entre dans son cœur. La jalousie, c'est quelque chose que ça peut venir à ton cœur. Personne ne peut être à l'abri de la jalousie. Et parfois, tu as eu des situations où tu es resté comme ça. Tu sens comment la colère monte en toi. Tu sens. Écoutez, tout le monde, quand il succombe à la colère, il peut devenir fou. Tout le monde. Tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui disent que quand moi je me fâche, je deviens comme une folle. Non, ma chérie. Tout le monde peut devenir comme une folle quand il succombe à la colère. Je veux que vous compreniez ça. Ce n'est pas. Maintenant, vous devez savoir à quel moment fermer la porte. Vous devez savoir à quel moment mettre le stop. Et vous devez aussi savoir comment identifier. Parce que les choisis. Quand vous avez déjà compris que. Ah, je comprends pourquoi depuis que je suis petite, mes frères me détestent tellement. J'ai consulté une dame là. Elle me dit son frère. Même père, même mère a envoyé sa nièce en vacances chez elle. Un soir, elle reste avec sa nièce comme ça. Sa nièce lui dit vraiment, tu es tellement gentille que tel oncle, et c'est l'enfant de leur soeur à eux deux, mais apparemment la fille était plus proche du monsieur. Elle dit, quand tonton m'a envoyé cela, il m'avait commissionné de te tuer. Donc, vrai, vrai, pas qu'elle a rêvé que. Ça, c'est la réalité. Elle dit, mais je suis arrivée, vu que tu es une femme tellement bien, tu es tellement douce, tu es pleine d'amour. C'est pour ça que je te dis ce que je te dis. Donc, je sais que pour certaines personnes ici, ça, c'est. Pour vous, c'est. Tu vas te demander, comment est-ce qu'un homme peut demander pour vouloir tuer sa soeur? Le sentiment est entré dans son cœur. Il a succombé au sentiment. Et quand le Seigneur lui demande, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Genèse 4, verset 6. Il dit, si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à ta porte? Une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer? Vous comprenez un peu ce qui se passe ici? Il est déjà jaloux de Abel. Pourquoi êtes-vous premier de la classe? Pourquoi quand il y a des hommes qui viennent dans la maison, c'est seulement les grosses voitures, c'est seulement elles qu'on vient chercher? Vous seriez stupéfait de savoir les raisons pour lesquelles, en tant que choisi, les raisons pour lesquelles on vous déteste. Parfois, c'est même ta tante. On t'a accouché, elle t'a porté. Elle a changé tes couches. Quand tu as fait pipi au lit, elle t'a tapé. Tu grandis, elle voit ta chance. Elle voit comment tu es belle. Elle voit comment ton futur est glorieux. Elle dit non, je ne peux pas laisser l'enfant, c'est comme ça. Pour rien. Le sentiment est déjà là. Maintenant, l'acte que la dame peut aller poser, il y a un jeune homme là, il est en face du bureau de Makepe à Douala. Chaque fois que je vois le gars là, depuis au moins un an, il veut venir. Il me dit, je vais venir, tu vas me travailler sur moi, tu vas me laver, je vais venir, tu vas. Je l'attends, il ne vient jamais. Un jour donc, j'attendais que le véhicule vienne me chercher. Je m'assois donc devant le portail. Et là, il vient s'asseoir à côté de moi. Et l'esprit commence à me parler de lui. Je l'écoute. Il savait qu'il est même de mon village. Et j'avais l'impression qu'il avait une douleur. Il a perdu une femme. Une femme, que ce soit sa mère, sa soeur. J'avais l'impression qu'il a perdu une femme quand il était jeune. Et c'est ça qui le dérangeait. Il me dit qu'effectivement, quand sa mère a accouché, il avait environ 2-3 ans, sa mère a accouché sa petite soeur. Donc quand il avait l'âge de 4 ans, sa petite soeur avait 1 an.
Il dit que sa petite soeur était belle. Elle était trop belle. Et une tante de la concession. Donc, sa mère était venue en mariage dans la concession là. Une des sœurs de son mari, elle a porté l'enfant. Elle a porté l'enfant. Elle est partie. Vous savez ce qu'elle a fait de l'enfant? Elle est partie. Elle a étouffé l'enfant. Elle l'a lancé dans l'eau. Elle étouffe l'enfant et elle lance l'enfant dans l'eau. On passe des jours, on cherche l'enfant. On ne trouve pas. L'enfant de ton frère. L'enfant a 1 an. Peut-être 1 à 2 semaines plus tard, on se rend, on trouve l'enfant que l'eau l'a déposé loin. Et c'est là que la tante en question vient, elle vient avouer. Elle vient avouer que c'est elle qui a pris l'enfant, elle est partie. Elle a d'abord étouffé l'enfant, elle a lancé l'enfant dans l'eau. Et lui dit que ça l'a traumatisé depuis qu'il est petit. Donc, ça a fait que ça a séparé son père et sa mère, ça a gâté. En fait, le but de la personne était atteint. C'est là que tu vas te demander, mais ah, tu es déjà une maman, tu as peut-être 25, 35 ans. Tu vois l'enfant de quelqu'un qui a 1 an, tu ne peux pas prendre l'enfant, tu fais du mal. C'est ce qu'on vit au quotidien. Parfois, tu as la chance, tu pars en Europe rapidement. Tu as tes 3 enfants, 4 enfants au pays, tu les portes, tu les déposes chez ta soeur. Parfois, c'est juste que tes enfants sont très gays. Tu vois, tes enfants sont... Tu vois, j'ai un enfant qui est serviable, gentil, intelligent à l'école. On l'envoie en vacances. Tout le monde qui le voit veut lui donner l'argent. Que vraiment, prends. Hey, l'enfant, c'est gentil. Oh. J'aime l'esprit de l'enfant si haut. Le diable n'a pas besoin de raison pour vous faire quelque chose. Voilà, ta propre tante a appelé la police ensuite. C'est comme ça. Parfois, tu arrives, tu trouves ta tante en bain. Ton père ou ta mère l'a laissé. T'envoies que non, elle va chez ma soeur. Je dis non, voilà, elle n'est pas chez ma soeur. Tu arrives là-bas, tu trouves là, tu vois une démon. Une sorcière. Maintenant, je veux que vous compreniez que vous écoutez mes vidéos depuis et c'est en train de vous transformer. Parce qu'avant, quand ces personnes vous faisaient du mal, vous vous donniez une excuse pour ne pas... Je veux que vous compreniez que vous êtes dans une bataille. Ce n'est pas la blague. On est dans un champ de bataille. Ce n'est pas la blague. Tu vois, comme tu viens de te rendre compte que non, je suis une choisie, je suis ceci, voilà. Comme tu es en train de te rendre compte, je vous ai parlé de couronnement. Beaucoup de personnes, vous avez acheté vos couronnes, vous avez mis sur votre tête. Voilà Nicole qui dit que sa petite soeur a voulu l'empoisonner. Mamie, pardon, j'espère que tu n'as pas... Un jour, une femme est venue commenter dans mon direct comme ça là. Que ma petite soeur a menacé mes enfants, nanana. Je ne sais pas comment sa soeur sorcière est tombée sur le direct. Elle a vu le commentaire. Elle a fait la capture d'écran. Elle est partie envoyer dans le groupe familial. C'est comme ça qu'elle m'écrit. Elle dit que, oh maman, le commentaire qu'il y a dans ton direct là, toute la famille est au courant que maintenant... Que ma petite soeur, donc elle est partie, sa petite soeur a anticipé les choses, elle est partie aller vers la famille. Que regardez comment elle vient me gâter sur les réseaux sociaux. Donc ne commentez pas ici là avec vos vrais noms, au moins elle vous a déjà dit. Il vous dit moi. Donc je vous disais ceci. Avant, quand les gens là vous faisaient le mal, vous ne saviez pas pourquoi ils vous faisaient du mal. Genre, tu te disais, ah ah, elle est partie en bain depuis. Moi, j'ai à peine arrivé, je n'ai même pas les papiers. Elle est mariée, elle a sa maison, elle a sa voiture, elle a tout.
Moi, je viens d'entrer en euro. Je ne connais même pas là où je vais finir. Elle me veut quoi? Ces personnes n'ont pas besoin d'une excuse ni d'un alibi pour vous faire du mal. Je veux que vous compreniez ça. Parfois, les gens là aiment. Tu viens d'arriver en Bengtuna. La personne travaille, elle est médecin, chirurgienne. Elle a un bon boulot. Tu décroches seulement le boulot de net pour faire le cleaning, pour nettoyer dans un petit endroit. Que celle à qui elle a demandé de t'empoisonner, t'a laissé les voix, c'est maman. Donc tu as ton petit boulot là, hein. La personne va quitter de sa tour avec ses millions pour venir t'embêter. Avant, tu ne connaissais pas ce que tu as. Tu ne connaissais pas ce que tu portes. Tu ne savais pas que là où tu es là, tu es quelqu'un de spécial. Yes, Abigail, you're asking, what do I have? What do I... Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai même fait? Qu'est-ce que... Regarde, eux, ils sont même mieux que moi. Ce n'est même pas... Pour eux, il y a les gens qui... Ils veulent seulement savoir que là où tu es, tu souffres. C'est pour ça que souvent, tu dois même le montrer que tu souffres. Ils veulent savoir que non, elle est à l'hôpital, elle souffre. Ou bien, elle est morte. Oui. Ça leur plaît. Maintenant, je veux que vous puissiez comprendre que ce qui est en vous, la puissance qui est en vous est tellement forte. Maintenant, ce sont des personnes qui se sont laissées de temps en temps, si ce n'est même constamment. Certaines de vos tantes là, ce sont des grandes sorcières. Et quand vous, depuis que vous êtes petit, ils ont vu votre lumière. Peut-être même depuis que tu as le ventre de ta mère, ils ont essayé de te tuer. Écoutez-moi bien. Ce sont des gens qui se sont déjà consacrés, ils se sont déjà dédiés. Ils se sont déjà donnés. Vous voyez, non? Et votre lumière les gêne. Je vous parle de quelque chose que ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. On est dans une bataille réelle. C'est tangible. Quand ils arrivent au deuil, ils te voient. Tu as porté l'habit du deuil. Elle a pris l'argent au pourquoi de l'habit du deuil. Ils viennent avec leur grosse voiture. Toi, tu viens dans la voiture du deuil. Que tout le monde entre dans le bus là. Ils te voient seulement, ça les énerve. Et certains d'entre eux, ce sont des personnes qui ont déjà même eu sous l'emprise. Ils ont déjà pris. Donc, votre mère est sous leur main comme ça là. Ils ne savent pas trop les tantes ce soir. Les tantes et les frères. Tout, on appelle ça les siblings. Vos cousins, cousines. Vous voyez, non? Ils contrôlent déjà les membres de votre famille. Il y en a même que vos grands-pères, donc, il y a peut-être 6 frères et soeurs. Parmi les 6 là, il y a 1 ou 2 qui sont partis, ils ont fait des trucs pour dominer leurs frères et dominer leur père et leur mère. Maintenant, quand vous arrivez, on vient voir ta mère, on veut que ta mère, on veut te posséder en fait, on veut te contrôler. C'est pour ça que souvent vous voyez dans des familles, il n'y a aucun enfant qui se marie. Ou soit dans des familles, aucun enfant qui fait, qui a un diplôme, ou bien s'il n'y a aucun enfant qui part en Europe, il part, il est bloqué en route. Parce qu'il y a des entités dont... Je sais que je vais vous expliquer ça comment, comment ils sont en train de vous montrer. Je parle comme ça pour que ça ouvre les yeux de quelqu'un. Je veux que tes yeux doivent s'ouvrir. Depuis que tu suis mes enseignements et tu mets en pratique, ta nourrice ne t'appelle plus. Beaucoup de ces personnes, ils vous ont même élevé. Tu as grandi chez la personne. Tu as grandi dans sa maison. Et quand elle appelait souvent ces marabouts-là, tous ces gens-là, ils venaient, ils faisaient leurs 3-4 jours à la maison.
Tu voyais aussi seulement comme ça là, tu te demandes que, ah, tu ne sais même pas que tes anges te protégeaient même seulement le temps là. Et c'était ces gens-là qui leur disaient que l'enfance là, elle est puissante. Tu avais seulement 7 ans, 8 ans. Que l'enfance est puissante. On fait, on tue ton père. Parce qu'on sait que si ton père meurt, tu ne vas pas continuer l'école. Ton père avait prévu d'avoir un euro quand tu finis l'école. On tue ton père. On chasse ta mère de la maison, on prend sa maison. Te voilà à la rue. Écoutez très bien. Il y a les plans qu'on a tissés sur votre vie. Qu'un jour, il faut seulement que Dieu vienne vous dire. Il y a des gens que quand vous prenez souvent mes kits, je suis passé parfois pour faire la poussée de mes choses. Parfois, j'aimerais souvent que quand les gens restent comme ça, là, que venez me souvent, on met les témoignages sur la page. Je ne sais pas pourquoi vous ne lisez pas les témoignages. Tu dis que c'est maintenant que tu comprends pourquoi tu es détesté dans ta famille. Ma reine, les enfants de ma propre grande soeur ont montré. Ils ont monté le coup pour casser ta maison. Ma chérie, c'est maintenant que tu dois comprendre. Donc ton esprit va te dire que. Là que tu, souvent, les mères, là, initient même leurs enfants. Il dit que tu vois la mère là, hein, sa méchanceté là, elle a mis ça, elle a coupé en portions comme le gâteau, elle a mis dans chacun de ses enfants. Ce qui fait que tu restes comme ça, tu vois que ta vie allait bien, après un moment ça tombe comme ça, là, piou. Rien de tes choses ne marche plus. En Côte d'Ivoire, on va vous envoyer du Cameroun pour Abidjan. Vous allez partir chercher vous-même. Je ne travaille plus avec personne à Abidjan. Vous avez suivi, non? Je ne travaille plus avec personne à Abidjan. J'ai fermé. Abidjan, Yaoundé, vous voulez le kit de n'importe où. Vous écrivez, il y a le numéro sur la page. Je n'ai plus que 2 numéros. On vous envoie. Si je ne peux pas envoyer là où vous êtes, vous allez seulement m'écouter comme ça là. Vous prenez le sel, vous lavez avec. Vous avez suivi, non? Voilà, je reviens sur ce que je disais. Je dis que tu vois un moment ta vie en train de marcher. Après un moment, ça fait. Observez votre passé. Regardez. Je vous ai toujours dit que mon but, quand vous tombez sur ma page, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Donc, patience, tu dis que je parle de ta famille. Hein, que, why are you talking as if you know my family? Je sais que les gens sont méchants. Il y a des gens qui font les kits. Quand ils prennent un de mes kits, surtout le kit fondation, je vous dis toujours, commencez par le kit fondation. Parce que ce qui vous gêne le plus dans votre vie, c'est généralement les liens familiaux. Les liens familiaux. Il faut voir les rêves de ça. On va commencer à faire même... je vais commencer à faire des voice carrément. Jésus n'est pas perdu, hein, mon frère. Tu as compris? Jésus n'est pas perdu. On dit qu'il faut chercher Jésus là. Il n'est pas perdu, il est là. Grâce à vous, j'ai quitté la France à temps. Et grâce à votre consultation. Ok. Souvent, quelqu'un me dit que j'ai vu dans le rêve les visages de mes tantes qui s'associaient pour venir me faire du mal. Et après, peut-être, il m'a dit qu'un de ses anges est venu la porter comme ça, elle est sortie. Ou bien une maison là où sa famille l'avait enfermée. Dans un énième rêve, elle dit que je me voyais tout dans la maison là. Et puis un beau jour, j'ai seulement vu comment on avait monté une fenêtre, je suis sorti par la fenêtre là, je suis parti. Voilà ta délivrance. Voilà ta... Il y a parfois les maisons familiales. Vous naissez dans les familles comme ça. Qui a d'abord une haine. Au départ, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas comment un frère et sa soeur peuvent se détester. C'est maintenant qu'elle comprend. Donc on est sorti du même ventre. Ou bien c'est le même sperme qu'il nous a donné. Comment on se déteste? C'est maintenant que je suis grande que je comprends. Parce qu'il y a des gens dans notre famille, souvent, que dans leur cœur, il y a la haine. Point à la ligne.
n'y a aucune autre émotion. Et il y a des gens que, pour eux, ils doivent toujours être au top. Si tu es à Paris même, on peut te poster ça. On poste, tu vas chercher le transporteur. J'ai aussi une représentante à Paris. Celle de Paris, là, peut poster. Et on envoie par DHL aussi. Si tu es à Paris, on envoie. Quand ça arrive, il t'appelle, tu vas chercher toi-même. Donc, il y a des gens de votre famille que ils veulent être toujours au top. Ils veulent que ce soit toujours eux qu'on voit. Monte ou tu descends. Oh, oui, Seigneur. La méchanceté, c'est quelque chose. Hein. Le noir cœur. À la moindre opportunité, tu es en train de les aider. Jésus, c'est l'opposé. Jésus, c'est l'opposé. On te prend pour acquis. On te prend pour acquis. Est-ce que Jocelyne se fâche même souvent? Elle ne peut rien faire. Tu viens au pays. C'est comme ça qu'ils font. On tue souvent les gens, non? Pourquoi c'est elle qui se marie? Hein? Pourquoi c'est elle qui va avoir la licence avant nous? Ah! Tu dis que maman, vous avez tué ma mère pour qu'on ne paye pas mon école. J'ai eu la bourse. Vous avez tout fait pour que je ne parte pas. J'ai eu mon chéri, je suis parti. Vous voulez quoi? Je vous donne le numéro. Le 237 693 50 22 66. On poste par DHL. Tu donnes ton adresse, peu importe là où tu es. Tu es au Canada, aux États-Unis, peu importe ton pays. On t'envoie par DHL. On envoie par DHL. Je n'ai plus de représentant. Donc, ne contactez plus quelqu'un quelque part pour moi. Il n'y a que celle de Paris. Voilà la seule personne qui est restée fidèle dans tout ce qu'elle fait. Celle de Paris qui s'appelle Ruth, je précise bien. Tout mon reste des gens là, tous, je ne veux même plus parler de... Pardon. Donc, on te poste, si tu es même si tu es en Australie, DHL arrive en Australie, 237 693 50 22 66. Voilà. Pour les lectures d'énergie, tout ça, c'est demain. C'est demain. Je fais les consultations à partir de demain. Tu vas voir, ces personnes vont rester, ils vont te... Parfois, tu peux même t'isoler dans un pays. Hein? Tu peux t'isoler dans un pays. Tu crois que là-bas, tu vas avoir ta paix. C'est, même comme ça, ils vont mettre des caméras. C'est pour ça que souvent, ça fait même 5 ans que tu n'as pas parlé avec eux. Mais il y a encore quelque chose. Parfois, dans le rêve, tu te retrouves encore dans la cour, au village. Je vis au Gabon, Madeleine. Je suis au Gabon. Donc, si tu veux un produit au Gabon, c'est moi qui vais te répondre. À Douala, c'est là-bas qu'il y a mon QG, mon quartier général. Tous mes produits viennent de Douala. De Douala, on poste à Marwa, Garoua, Bafoussam, tous les pays, toutes les villes de Douala. Là. On poste en Guinée équatoriale. On poste à Abidjan. Les autres pays d'Afrique, on t'envoie le DHL. DHL, ça va te coûter peut-être 40, 40, 45 000 pour 5 kilos. On envoie par DHL. Je ne veux plus les représentants. On vous envoie par DHL. Si tu veux payer ta dîme, tu peux t'aligner chez Western Union, tu envoies ton argent. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. Je te bénis. Madeleine Jimba, je suis à Louis. Mais tu as besoin de quelque chose, on va venir te donner. Tu ne viendras pas pour me. Je ne vois pas les gens physiquement. Voilà. J'espère que ça a répondu à vos questions. Donc parfois tu t'éloignes, tu restes dans ton coin. Mais ce n'est pas la distance physique qui va faire que il y a des personnes dans votre famille qu'ils sont très je ne vais pas dire qu'ils sont puissants, mais ils connaissent des choses que vous ne connaissiez pas encore. Maintenant que vous m'écoutez, vous commencez à, c'est pourquoi si vous réveillez, vous commencez à devenir conscient que, mais attends un peu, oui. Souvent, quelqu'un, ça ne t'appelle pas. Hein. Et quand il y a une période clé de ta vie qui va arriver, elle trouve ton numéro, elle t'appelle. Justine, ma fille, tu wonder que tata, tu as fait comment pour avoir mon numéro?
Tu as fait comment pour avoir mon numéro? Et il y a des personnes que ils prennent souvent, ils sont avancés dans leur source, dans leur sorcellerie là, donc ils ont des trucs qu'ils font, ils mangent, ils parlent, que comme je veux appeler l'enfant si, tout ce que je veux savoir sur elle, elle va me dire. Dès que tu découches le téléphone comme ça là, c'est fini. Hein? Oui, tata. Tu es où maintenant, non? En 5 minutes, tu vas briefer toute ta vie à cette personne. Écoutez-moi bien, faites très attention. Certains vont aller au village, ils vont aller là où on a enterré vos nombreux. Ils savent que même si tu es n'importe où, en parlant sur cet endroit-là, ils sont en train de parler sur toi. Parce qu'il y a des choses spirituelles, mystiques, que eux, ils connaissent. Et je dis bien, vous ne connaissiez pas encore. Quand il dit que vous ne connaissiez pas encore, ça veut dire que vous êtes en train de comprendre. Ce n'est pas pour rien que vous êtes ici là. Vous avez dit que je vous ai dit que je ne coupe pas, je ne suis pas pressé avec vous. Si quelqu'un m'écoute, mon discours ne lui plaît pas. Ce n'est pas le moment. Peut-être dans 2 ans, tu vas tomber encore sur mes vidéos. Ça va cliquer. Maintenant, quand tu vas... Tu es en train de commencer à comprendre. Le but de cette personne, c'est que tu ne te rendes pas compte de ta puissance. Que tu ne saches pas comment reprendre ton pouvoir. Et que tu ne saches pas comment mettre les boundaries. Comment mettre les barrières autour de toi? Il y en a ici là que vous-même vous savez, non? Quand vous avez fait face à ces personnes, après avoir commencé à faire votre travail spirituel, tu arrives devant elle comme ça, là, tu parles jusqu'à toi-même après, tu dis que non, c'est moi qui ai parlé à ma tante comme ça. Ha! Que je n'aurais jamais osé avant. Que dès qu'elle la voyait comme ça, je fondais comme la bougie devant le feu. Oui. Je fondais. Mais voilà, aujourd'hui, que je la vois, elle n'est même pas ni chaud ni froid. Dans le forum familial, c'est la personne qui gère tout. Si la personne est ta mère, tu ne sais pas qu'elle est mère sorcière. Hein, ma chérie? Que si c'est notre mère, donc tu vas mourir à cause de ta mère. Il y a les mamanticones. Moi, je les appelle mamanticones. Je les appelle les mamanticones. Les mères qui sont étant vendues ouvertement. Chaque fois que tu lui dis un truc sur toi, elle va d'abord partir dire à ses soeurs qui te font du mal là. Attendez, laissez seulement. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je veux que vous preniez conscience d'abord. Et vous sachez que ce sont des personnes qui ont commencé à exercer avant que vous ne soyez nés. Ce sont des personnes qui se sont laissées habiter par des entités qui sont là avant que vous ne soyez là. Maintenant, la différence, c'est que vous avez le Saint-Esprit. La différence, c'est que vous êtes choisi. Et la lumière qu'ils ont voulu fermer, elle ne peut être éteinte. Elle ne peut être fermée. Elle peut juste être ralentie. Je vous ai parlé du couronnement. Ceux qui ont acheté leur couronne, tant mieux pour vous. Ceux qui n'ont pas acheté, tant mieux pour vous. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui m'ont dit que dans le rêve, ils ont vu comment je suis venu leur mettre leur couronne. Certains, ce n'est pas moi physiquement qui suis venu. Une autre personne est venue, a mis leur couronne sur leur tête. Cette couronne-là, ça sont les choses qu'eux, ils n'ont jamais voulu que vous mettiez sur vous. Et vous ne serez peut-être pas surpris, mais il y en a qui savent que vous êtes en train d'être couronné. Ils le savent. Parce qu'il y en a, on me dit aussi qu'il y en a parmi eux, que leur fortune dépend de vous. C'est-à-dire, la personne a fait de telle façon que chaque fois que tu es en bas, il est en haut. Donc, comme tu as été levé comme ça, là, la personne a te souffrir. Tu es en train de lui échapper. Le rêve que Dieu t'a montré là que, wow, parce que je ne veux même pas vous lire les témoignages ce soir.
Parce que je ne veux pas lire les témoignages. Moi, parfois, je ne vais pas faire comme si, vous, comme si j'étais en train de vouloir vous convaincre. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne veut pas croire, il continue. Il y a une qui me dit que c'est sa vie que je suis en train de décrire. Tellement ça la choque qu'elle n'arrive pas à commenter. Ne commente pas, ma chérie. Attendez, je vais chercher quelques témoignages pour vous donner. Vous ne connaissez pas les batailles dont on est en train de parler là. Il y a des gens qui ils se font de l'argent sur vous tous les jours. Ils ont intérêt. Tu es là, tu souffres depuis 13 ans, 14 ans, 18 ans que tu es en Europe. Chaque fois que ta vie va avancer comme ça, là, youp, ça disparaît. Contrat de 500 millions. Si ça marche, tu auras même 50 millions sur ça. Tu dis que, ouais, enfin, ma vie va changer. Ma chérie, la veille, quelque chose va se passer. Le monsieur qui se chargeait de signer le chèque, là, il va mourir dans la nuit. Et ah. Quelqu'un qui t'embête, il vient pour t'épouser. Il arrive, il tombe malade, il meurt. Le corona. Pourquoi depuis là, il n'est pas mort, c'est aujourd'hui qu'il meurt quand il veut t'épouser. Bon, voici un des témoignages. Bon, le couronnement, c'est quoi? Ceux qui me suivent depuis, je vous ai parlé d'une saison de couronnement. Et ceux qui veulent se couronner, ce sont ceux qui ont déjà commencé à faire peut-être le travail spirituel, comme tu as acheté le kit fondation que je vends. Le kit fondation, c'est 55 000 au Cameroun. Maintenant, en fonction du pays où tu es, on poste. Je vous conseille de prendre au moins deux kits. Si tu prends deux kits de 0 à 5 kilos, c'est le même prix pour envoyer. Donc, les États-Unis, c'est 60 000 pour 0 à 5 kilos. Donc, si tu prends 1 kilo, c'est 60 000. 5 kilos, c'est 60 000. Deux kits font 5 kilos. Alors, tu peux prendre 2 kilos. Deux kits, pardon. Maintenant, pour ceux qui ont commencé, tu as commencé à faire ton travail spirituel et tu sens que tu es dans une saison où tu dois être couronné. Donc, j'ai carrément des couronnes physiques que j'ai bénies avec une huile. Pardon, excusez-moi. Donc, tu prends ça, tu mets sur... c'est carrément une cérémonie que tu dois faire. Hein. Je vais peut-être... Je poste plus sur mon statut personnel. Sur la page Facebook, non. Parce qu'il faut voiler les yeux des gens qui sont en train de se couronner d'abord. Mais tu mets ça sur toi, tu verses l'huile et tu lis le passage de 1 Samuel chapitre 16. Voilà. Il y en a parmi vous qui ont besoin de cette étape-là parce que on a volé votre couronne quand vous étiez petit. Ok? Voilà. Donc, au Cameroun, le kit fondation, vous écrivez juste, le numéro est là. 00237 693 50 22 66. 00237 693 50 22 66. Et le deuxième numéro, c'est le 680. Donc, toujours en 00237. 680 71 07 01. Donc, je vais vous lire quelques témoignages. Donc, bonsoir, ma reine. Je viens une fois de plus témoigner que le kit fondation est en train de. Ce que le kit fondation est en train de faire. Le premier jour, vous, ma famille et moi étions dans mon village. Beaucoup de ces délivrances se passent dans le village. C'est pour ça souvent quand vous rêvez, vous voyez tourner une même maison. Toujours un même endroit, ces choses-là. Et quand, je me rappelle, moi-même avant, c'est ce qui m'arrivait beaucoup. Tu te vois toujours, tu sens que je connais l'endroit-ci. Donc, nous étions dans mon village. Vous nous avez remis certains médicaments et après ça, on a organisé une grande fête. Aujourd'hui, je suis à mon quatrième jour de bain. Je me suis endormie tout à l'heure, aux environs de 13 heures. Dans le rêve, je marchais toute seule en me plaignant de ma situation. Subitement, vous êtes apparu. Nous étions à un endroit avec plusieurs personnes. Vous avez commencé les prières. Je me suis mise à manifester. Vous vous êtes dirigée vers moi. Dans son rêve, j'étais au sol. Vous avez commencé à prier sur moi en disant « Reçois tout ce qui t'a été volé depuis des années. » Mon bras droit vibrait tellement. Après, vous m'avez oint. Et enfin, vous m'avez tenu. Vous m'avez tenu, ok? Nous nous sommes rendus dans une grande cour où se trouvaient les grandes personnalités. Et c'est là que je me suis réveillée. Je ne peux pas vous expliquer le mystère, mais tout ce que je sais, c'est qu'on m'a appelé pour briser les malédictions générationnelles sur les gens. Voilà ma part, c'est tout ce qu'ils connaissent. Et ce qu'il y a dans le kit fondation, c'est les choses qu'ils m'ont montré, que mets ça. Dans le kit fondation, il y a un tissu blanc. Le tissu là est très important. Quand vous le prenez, c'est vous devez lire le passage de, si vous l'avez encore chez vous, même ceux qui ont déjà fait le kit, Zacharie, chapitre 3, verset
3, 4 et 5. Vous mettez ça sur votre tête. Parce qu'il dit bien, on enlève d'abord les vêtements sales. Tout ce qu'il y a de sale. Vous avez des vêtements sales que vous portez sur vous. Même là où vous êtes aux États-Unis, des vêtements familiaux. Ça vous suit. Après, tu attaches ça sur ta tête. Tu dis, je revais un nouveau vêtement. Je me sors de tout trou dans lequel ma famille a été déposée. Voilà. Bon, pour les couronnements, alors, j'ai beaucoup de messages sur les couronnements. Donc, je vais voir si je peux en trouver. Bon, j'ai fait mon bain de pipi à 3 heures et je me suis couchée. Dans mon rêve, tu es venu me rassurer de ne plus avoir peur. Que ma délivrance et la personne ne peut plus l'empêcher. Amen. Attendez, je cherche d'autres témoignages. Bon. Je viens faire un témoignage. Avant de vous rencontrer et de commencer mon travail spirituel, je rêvais toujours que je suis au Cameroun. Pourtant, ça fait 11 ans que je suis en Europe. Chaque jour que je dors, je rêve que je suis dans le quartier où j'ai grandi, à Bonabéry. Je rêvais toujours que je suis avec mes copines d'enfance. Et elles voulaient toujours m'entraîner dans leur lit, dans leur lieu sombre. Je rêvais toujours que je suis en train de manger les beignets d'une copine. d'une copine de ma marâtre. Quand je me réveillais, je me sentais fatiguée. Je ne priais pas. Je n'aimais pas entendre les musiques religieuses. C'est comme si on me possédait seulement. Maintenant, grâce au Seigneur Dieu et à vous, ma reine, je rêve de ma vie ici en Europe. J'ai l'impression d'avoir retrouvé mes esprits. Il y a une autre. Elle dit, ma reine, bonjour. J'ai été couronnée cette nuit aux environs de 3 heures. Vous étiez là et c'est vous-même qui avez présidé la cérémonie. Juste après ça, on a été bombardé par surprise. Mais j'ai pu m'échapper et c'est là que je me suis réveillée. Je sais que vous ne le croyez peut-être pas, mais je vous le dis encore. Il y a des entités qui checkent votre vie. Quand on voit que ta vie commence à aller, que les gars riches recommencent à te draguer là. Florence, toi qui veux le kit fondation, tu es dans quelle ville? Tu es dans quel pays? Zacharie chapitre 3. Versets 3, 4, 5 et 6. On voit que les gars qui ont l'argent commencent à te draguer à nouveau. Alors que tu as 45 ans, tu es vieille. Au lieu qu'on te laisse dans ta vieillesse. Pourquoi est-ce que les gars riches te draguent? Hein? Moi, je ne veux pas. Bon, bonjour ma reine. Que de bonnes choses. J'ai fait mon bain au début du mois, accompagné du jeûne pendant 3 jours. Et pendant la pleine lune, j'ai fait mon bain de fruits. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans un laboratoire. On m'a fait un check-up. Bon, ça, c'est les gens qui font. Il y a les bains qu'on fait, donc tous les débuts de mois, vous envoyez la photo pour faire le bain à distance. Tu es en France, Florence. Pour ton kit fondation, on va te poster ça. Si tu es à Paris, tu peux aller chercher. Mais si tu es hors de Paris, on va te poster par DHL. Donc, je continue. Si tu es en Côte d'Ivoire, je poste à Abidjan. Tu peux chercher à Abidjan. Donc, je continue. Elle me dit, on m'a conduit dans un laboratoire, on m'a fait un check-up. Et puis, on m'a demandé de me lever et j'avais arrêté mon caleçon en main. On m'a introduit dans une autre salle. Arrivé là-bas, les articles ont commencé à sortir de mon corps. Je me suis précipité pour sortir de la salle. Arrivé dehors, j'ai trouvé une foule que les articles sortaient aussi de leur corps, ma reine. Mais je me suis placé debout et je retirais les articles sur moi, en tas. Lorsque j'arrachais un tas sur moi, le sang jaillissait et ça sortait comme un robinet. Et elle dit, je reçois ma délivrance. Donc, il y a aussi un autre témoignage. Elle dit, ma reine, je ne sais pas où commencer. Je vais essayer d'énumérer tout de même. La nuit où vous m'avez envoyé la vidéo de mon lavage à distance, l'esprit m'a saisi et je priais en pleurant, en parlant en langue. Et à un moment, j'ai commencé à vomir du gluant. C'était sa délivrance. La même nuit, le Seigneur vous a utilisé en rêve pour me délivrer. Je lui ai fait un lavage et après, voilà ce qu'elle a rêvé. Là, je vous vois dans ma chambre et vous me touchez le ventre en disant que tout ce qui fait qu'on m'a donné de manger consciemment ou inconsciemment et qui fait que ma cicatrice de grossesse, voilà,
Comme, oh my God, vous savez souvent les langages quand vous écrivez. Je vais encore vous lire ce qu'elle dit. Elle dit, et qui fait qu'on me césarise à chaque grossesse. Et même qui me fait constamment mal au ventre, que ça sorte. Vous m'avez touché précisément au nombril. Et le rêve s'est arrêté. Elle dit, maman, je me suis réveillée le matin là dans une mare de sang. J'avais saigné comme si mon utérus allait éclater. Pourtant, 2 semaines avant la date prévue de ces règles. Et ça n'a pas continué en journée. Juste comme si, juste comme j'ai vu le matin. Et mon sommeil était très profond ce jour-là. Et la raison pour laquelle je n'ai pas réalisé. Ok? Et elle a eu peur avant de se rappeler de son rêve. Et c'est là qu'elle a compris que c'était sa délivrance. En numéro 3, elle dit que les clients viennent dans son institut. Jusqu'à beaucoup me disent qu'ils passaient devant sans prêter attention. Ils sont contents, hommes comme femmes, puisque c'est un institut mixte. Mixte, pardon. Avant, je passais toute la journée à dormir. Maintenant, je reste debout. De l'heure où j'ouvre jusqu'à fermer, je chasse seulement les clients. Numéro 4, je me sens épanouie. Je redeviens un peu plus belle, maman. Sans vous mentir, j'étais que l'ombre de moi-même. Numéro 5, après l'attaque spirituelle de ma fille et sous vos instructions, elle va très bien et elle fait même déjà l'effort de se tenir debout. Puisque tout ce temps, elle restait assise. Un matin, elle a rêvé que sa fille était attaquée par quoi, je ne sais pas. Et elle s'est réveillée, il y avait des boutons sur son enfant partout. L'enfant faisait de la température. Ce jour-là, elle a fait une offrande pour la guérison de sa fille. Donc, maintenant, elle dit, bref, mon institut, c'est comme si maintenant, c'est maintenant qu'on me voit. Pourtant, j'étais là depuis, mais voilée. Ok. Et voici encore un dernier témoignage. Bonjour, ma reine. Merci pour l'efficacité de vos services. Commencez à utiliser... Okay. Elle a reçu un produit et elle m'écrit pour dire que c'est arrivé, qu'elle a commencé à utiliser. Elle me dit, elle a reçu acheté le kit fondation. Le premier jour, j'ai utilisé et le deuxième jour, j'ai vendu 40 000. Le deuxième jour, oh my God, quand vous écrivez vos témoignages, écrivez le bon français. Attendez, vous lis encore. Elle dit, elle a commencé à utiliser, ok. Et elle ne m'avait pas dit que le produit est arrivé. Donc, elle écrit pour me dire que c'est arrivé. Donc, le premier jour qu'elle a utilisé, elle a vendu 40 000. Et le deuxième jour, elle a vendu 74 000. Elle dit, moi qui voulais bazarder mes produits à un prix minable, voilà que le kit que j'ai acheté me redonne espoir. Bon, elle dit qu'elle va venir payer sa dîme. Bon, je vais un peu laisser comme ça parce qu'il y a quand même y a beaucoup de témoignages. Pour poster en Tunisie, je vais voir, il faut que tu écrives demain pour qu'on voit si DHL arrive là-bas. Si vous avez DHL là-bas, on peut... On va poster au Togo, oui. Pour Abidjan, il n'y a pas de problème. Tu achètes, on t'envoie. Le kit, je crois pour Abidjan, tu vas payer 55 000 pour le kit. Et on va poster à 15 000, je pense. 15 000. Voilà. Bon, le numéro est là. Hein, 00237-693-50-22-66. Donc, 693-50-22-66. Ok. Bon, on est. J'allais vous lire. Je crois que je voulais lire un passage. J'ai parlé de Zacharie aussi. Donc, quand vous faites votre travail spirituel, utilisez Zacharie. Donc, je reviens sur le sujet de ce jour. Pour l'Espagne aussi, on peut poster. 693 50 22 66. C'est ça le numéro. Vous mettez 237 devant. Donc, je précise ceci. Avant, vous ne comprenez pas ce que les gens là vous veulent. On envoie à Kinshasa. On a un transporteur. Je crois qu'avec 20 000 francs comme ça, on envoie à Kinshasa. Le kit fondation, ce n'est pas tout le monde qui fait le rêve. Il y a des gens qui peuvent faire le kit fondation, c'est après un mois qu'ils rêvent de leur délivrance. Mais généralement, ils vont vous parler dans le rêve. Vraiment, je ne veux pas tourner autour du pot. Parlez à vos ancêtres, parlez à vos guides. Ils vont vous parler. Je ne veux pas vous mentir. Moi, je dis toujours, engagez-les, ils vont vous engager.
Il y a une dame aussi là, elle était dans le direct TikTok comme ça une fois, et là, je faisais l'étude d'énergie. Je la vois, je dis waouh, je vois son énergie, je vois qu'elle a l'esprit de l'eau. Il y a des trucs que elle que je voulais pas dire ici là, parce que vous avez des âmes sensibles qui vont dire wow, wow, wow. Donc, je lui ai demandé de me contacter en inbox. Et il s'avère qu'elle était sur le point d'être. On avait déjà envoyé deux lettres pour qu'elle sorte de la maison là où elle était. Elle était dans un logement social avec ses trois enfants. Et malgré le fait qu'elle était déjà presque. Je lui ai donné deux instructions. Elle est partie, elle a fait d'abord sur place. Elle a fait sa salivation. Non. Elle est partie sur place d'abord faire sa part de choses. Il y a des trucs que toi-même tu l'as d'abord fait. Elle est partie faire. Maintenant, après ça, je lui ai dit, si tu veux continuer ton traitement, prends un kit. On t'envoie. Donc, on lui envoie le kit de couronnement et le kit fondation. Elle a reçu ses produits, ça fait. Attendez un peu, je vais regarder. Elle a reçu ses produits le 10, le 16 mars. Et c'est là qu'elle m'envoie même la lettre. Elle me dit comment on a dû le sortir de l'endroit. On a envoyé la lettre, on dit voilà madame, la lettre d'éviction. Voilà. Première et dernière relance concernant votre fin de prise en charge. Madame Tantantan, comme mentionné en entretien avec madame Nanana et dans le courrier qui vous a été transmis le 10 février, la fin de votre prise en charge au sein de notre établissement a été actée pour vous et vos enfants. Donc, il vous a été laissé un délai d'un mois. Ce qui fait que aux environs du 10 mars qu'on parlait, elle devait déjà être sortie de l'endroit. Donc, elle m'envoie cette lettre le 16 mars. Et elle a dit, je refuse de sortir. Regardez ce qu'il m'a envoyé. Donc, elle part, elle récupère son courrier à l'agence. Elle rentre, elle commence à faire. Je lui dis, garde seulement la foi pour tes choses. Donc, elle m'écrit aujourd'hui. Elle me dit. Elle a même fait un voice, mais je ne veux pas que vous écoutiez sa voix parce que je vous connais. Elle me dit en fait son ancien, parce qu'elle était sans travail, elle ne travaillait plus. Ok, Kalayono, je ne sais pas, toi qui voulais me contacter, j'ai le numéro, voilà le numéro que j'ai donné. Relevez le numéro, vous écrivez. Et quand vous commencez à m'écrire, commencez à vous laver avec le sel. Madeleine, le kit fondation coûte 55 000 francs au Cameroun. Maintenant, en fonction du pays où tu te trouves, tu payes les frais d'expédition. Tu as compris? Pour certaines personnes, ça va vous revenir à 150 euros là-bas en France. Certains, ça revient à 130 euros. Ça dépend du pays où tu te trouves. OK? Donc, elle me dit, donc, elle écrit aujourd'hui, elle dit que premièrement, l'ancien endroit où elle travaillait, on l'a rappelé de venir travailler. Donc, elle a le boulot. Deuxième chose, on lui a donné un nouveau logement. Donc, là où elle est maintenant, elle n'a plus de problème de logement. Elle n'a plus de problème d'argent. Elle travaille. Maintenant, je sais que vous allez peut-être. Mon but, c'est de vous faire reprendre votre pouvoir. C'est d'enlever la peur, la panique. Madeleine, mon numéro de Libreville, c'est le suivant. C'est le 074 pour Libreville. 074 18 00 80. Voilà. Ok, je vois le Luxembourg. The one for Ireland, we're going to post it via DHL. DHL. The one for Nigeria, we're going to see if we have somebody that can send it to Nigeria. Ok. Je suis en train de répondre à quelqu'un ici. Bon, je continue ce que je disais. Le but de ces personnes-là, c'est que vous ne vous rendiez pas compte qu'il y a d'abord quelque chose en vous. C'est pour ça que je vous parle souvent quand je parle de couronnement, on ne peut pas combattre quelqu'un qui n'a pas de valeur. Je n'ai plus de numéro pour un pays. Si vous voulez vous donner n'importe quel pays, écrivez-moi sur le numéro aussi là. 00237 693 50 22 66. Si vous voulez que le numéro de votre pays, c'est que je ne peux pas vous vendre mes produits. DHL arrive dans votre pays. Voilà.
Si vous voulez créer un nouveau Camerounais, vous allez savoir laisser. Donc j'ai bien dit 00237 693 50 22 66. Salut ma chérie, je n'ai finalement pu envoyer quelqu'un. Hein. J'étais très occupée aujourd'hui. Donc je vais finalement poster par un transitaire. Vous devez savoir reprendre votre vie en main. Maintenant, merci Doram, merci pour les colliers là, merci. Je vais parler maintenant de cette partie, des attaques que vous allez subir par vos proches. C'est important parce que quand je méditais, ils m'ont parlé de l'autre aussi. Beaucoup d'entre vous, quand vous allez commencer à faire les bains, toutes les mauvaises énergies qui s'accrochaient sur vous, là, ça va partir. OK? Vous avez commencé à mettre les cristaux sur vous. Vous voyez, non, les bracelets, les colliers. Ces colliers seront disponibles au Cameroun en début du mois début du mois d'avril. Donc, vous allez commencer, ça va commencer à faire une barrière qui fera que vous ne serez plus contrôlable. Certaines parmi vous, vous vivez avec un homme qui vous irrite tout le temps. Vous vivez avec un homme qui vous irrite tout le temps. Ma reine, quand je vous parle, je coule les larmes parce que depuis que j'ai acheté ma couronne, l'esprit m'a dit que mon papa savait que qui je suis. Waouh. Un temps, j'ai été repoussée par ma famille au point que mon papa a dit que je serais la plus pauvre de ses enfants. Waouh, tu ne peux même pas être pauvre. Et vous le savez peut-être pas, quand tu prends l'affaire là, tu mets sur ta tête, c'est pas la blague. Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est difficile d'accepter que ton père peut-être est jaloux de toi, ou bien qu'il a voulu te bloquer, d'accepter peut-être que ton conjoint. J'ai pris le poids, mon gars aime ça jusqu'à. Tu as compris? Je ne sais pas si c'est toi qui me fais l'amour, ça te dérange, mon poids te dérange. Tu me vois ici, je suis triste. Je parle comme quelqu'un qui est triste. Donc, je sais que c'est difficile pour certains d'entre vous de peut-être comprendre, mais une fois que vous allez commencer à être couronné et vous allez commencer à vivre la plénitude de votre assurance. Ces personnes qui sont autour de vous, qui ne font pas ce travail, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas constantes, les personnes ne lisent pas la parole, ne prient pas. Et il y a une façon aussi de se purifier qui fait que depuis que tu m'écoutes, peut-être tu as abandonné beaucoup de choses bizarres, tu ne te plains plus, tu as laissé tes affaires de victime, tu as compris que c'est toi qui vas sortir te sortir des problèmes toi-même. Donc tu ne comptes plus sur quelqu'un, tu n'es plus en attente de quelque chose de quelqu'un, tu es sorti des vibrations de jalousie, tu es sorti des vibrations de colère, tu t'es libéré de tous ces fardeaux. Maintenant, ton énergie est en train de se purifier. Tu es en train de t'élever. You're ascending. You are like, quand on parle des masters, quand on parle des maîtres qui se sont élevés spirituellement, ce sont des personnes qui ont tellement négligé certaines choses, qui ont déposé, jeté certaines choses qui les alourdissaient. Et quand tu commences à t'élever, ta lumière va attirer les mauvaises personnes. Et ces personnes vont venir pour te faire du mal, pour chercher à te piquer. C'est pour ça que tu as resté avec quelqu'un comme ça là. Tu ne lui demandes rien, tu as, like, I'm minding my business, you know, I'm just focused on my thing. Et tu as l'impression que la personne veut forcément te faire du mal. Tu as l'impression que la personne veut te piquer, la personne veut te. I don't know how to say it. Et vous allez aussi attirer beaucoup de personnes hypocrites. Ils vont venir à vous à cause de votre lumière. Oh, je veux travailler avec toi. Oh, je veux t'aider. Oh. Parfois, les personnes vont t'assister quand tu seras dans des douleurs.
Tu es en train de divorcer, tu as peut-être perdu quelqu'un, ton enfant, je ne sais pas, la personne à côté de toi, oh, ça va aller. Alors que la personne, c'est un serpent. Et maintenant, il y a les petits indices que tu dois maintenant être vigilant pour détecter. Tu dois être sensible. Tu dois être sensible. Parfois, ce sont des personnes qui n'aiment pas donner. Tu vois, toi, tu es quelqu'un que tu donnes, tu simplifies les choses. Tu donnes, non. Tu vois, tu es ouverte, how do you say that? Tu peux rester comme ça, tu vois que, oh ouais, il faut qu'on prie pour la femme aussi. Ouais, je vais aller faire un don là-bas pour. Ouais, il faut qu'on aide les. Donc, je ne sais pas comment on peut dire. Toi, tu es ouverte pour. Tu veux aider. Et tu remarques que la personne. Tu envoies même parfois l'argent que va donner à tel, dans tel orphelinat, il coupe sa part sur ça. Donc la personne n'a pas le cœur que tu as. Voilà les petits indices. Et quand tu vois ça, tu laisses, tu négliges. L'esprit me dit, il te dit de prêter attention, fais attention. Ce sont les personnes qui peuvent aller chercher ton poisson pour venir te donner. La personne là autour de toi, il voit ta lumière qui brille. Parce que les choisis ne souffrent pas généralement. Tu n'as même pas les papiers, mais tu ne manques pas chez toi. Tu n'as pas les papiers, hein, mais tu manges à ta faim. Tu ne manques pas. Et ça dérange la personne. Maintenant, quand la personne se sent dérangée, c'est comme si l'esprit là entre dans la personne le temps pour qu'il vienne t'embêter. Parfois, la personne va venir te dire, tu vois, quand tu vas te blaguer comme ça, là, non, ha, 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 ha. La personne te lance un mot là. Pam! Tu dis, ah! Pourquoi il dit ça? À 3 heures, tu es sur ton lit en train de réfléchir au mot que la personne t'a dit. À 3 heures. Tu dis, mais pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça? La personne là a seulement laissé, je vais appeler ça un crack dans le système. C'était un petit espace où ça a craqué comme ça, là. La personne est un peu. La personne. L'esprit est entré pour que la personne. Le mauvais esprit là, pour que la personne te fasse savoir qui elle est. Vous devez tapoter le direct. Parce que je crois que la connexion dérange un peu. Est-ce que vous m'entendez? Me suivez. Est-ce que vous me suivez? Bon, je vais arrêter TikTok. Je sais pas, je crois que c'est fini. Facebook, est-ce que vous me suivez? L'impression que c'est parti totalement, c'est bizarre. Ok, je vois vos commentaires maintenant. Les commentaires ont arrêté totalement.
Bon, ça va, je vois maintenant vos commentaires. J'ai dû mettre le deuxième téléphone pour voir. Ok. Donc, comme j'expliquais, oh là là, ça bug énormément. Pourquoi ça fait ça? Voilà, je vous expliquais que vous allez avoir des personnes dans votre entourage qui vont venir comme si elles venaient pour vous piquer. Et tu vas te demander, mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? On est dans une bataille qui est réelle. On est dans une bataille où ta joie, parce que les esprits qui viennent temporairement dans ces personnes pour vous embêter savent que votre joie est votre hype. C'est quand tu es dans la joie, tu es dans ta manifestation, tu es dans ta vibration haute. Il faut absolument qu'on perce cette bulle. Il faut absolument qu'on vienne pour te distraire. Et on sait que quand tu n'es pas heureuse, tu es distraite de ta vraie nature. Il faut absolument qu'on te... Oh, comment je vous dis ça? L'argent ne peut pas venir quand tu es triste. L'argent ne peut pas venir quand tu es en train de parler d'une autre personne. Ou l'argent ne peut pas venir quand tu es en train de te concentrer sur autre chose. C'est pour ça qu'ils ont besoin de détourner ton attention. Ils ont besoin que tu parles d'autre chose que de ta royauté. Ils ont besoin que tu parles d'autre chose que de parler de voilà ce que je vais accomplir. Je vais ouvrir l'orphelinat. Je vais faire ça. Ouais, je suis une choisie. J'ai les pouvoirs. Non, 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 non. Non, 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 non. Elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? C'est pour ça qu'ils vont entrer dans les personnes les plus proches que vous avez. Elles vont entrer dans les personnes qui seront avec leurs humeurs. Parfois, tu vas ressortir, la personne va te faire des... C'est même ton employeur. C'est ton employé. Mais l'employé va commencer à se comporter bizarrement avec toi. Est-ce que tu es non conscient que je te paye? Est-ce que tu sais que c'est moi qui te paye? Hein? Et les employés qui vont venir porter, même parfois, prendre ton argent, partir avec. Tout ça parce qu'ils veulent entrer dans ta tête. C'est on entre dans un jeu spirituel. Et ces personnes, tu arrives quelque part dans un service. Tu es heureuse. Bonjour, bonjour madame. Asseyez-vous. Elle ne te connaît pas. Hein? Si tu donnes l'espace à l'humeur qu'elle est en train de te faire là, tu es en train de gâter une manifestation qui est en train d'arriver. Parce qu'on fonctionne dans un monde spirituel. Comme tu t'es levé le matin, on t'a dit ce qui arrivait. Que tu vas voir l'argent qui va venir, tu as ton visa qu'on va te donner cette semaine, tu as ceci. Eux-mêmes aussi, ils ont senti qu'il faut qu'on. Donc, c'est comme si on les a envoyés le matin, que sortez ou partez attaquer l'autre aussi. Ce qui fait que tout bureau où tu vas entrer, ils seront déjà en avance là-bas. Donc tu dois avoir le discernement spirituel. Et tu n'es pas en train de mal penser si tu penses qu'eux, ils sont en bas et toi, tu es en haut. Parce que voilà aussi quelque chose qu'on joue beaucoup sur les choisis avec ça. Parfois, on joue sur ton mental. Que, ok, eux, si eux là, ils ont les mauvais esprits, est-ce que toi, tu es la seule sainte de la terre? Regarde comment, tu te rappelles comment la semaine passée, tu t'es fâché avec quelqu'un là-bas, non. Tu te rappelles comment la semaine passée, non, tu t'es repenti. Ce matin, si tu as fait ton travail spirituel, tu t'es nettoyé de toute mauvaise énergie. Tu t'es repenti, tu as enlevé tout ce qu'il y avait de mauvais. Tu es une personne nouvelle. Parce que c'est cette culpabilité-là qu'ils vont vouloir mettre sur toi. Donc voilà ta bataille spirituelle là-bas. Fais très attention. Maintenant, il y en a parmi vous que vous allez maintenant être obsédé que wow, je suis possédé. Wow, je sais qu'on m'envoie trop ces messages à ces derniers temps-ci. Les mauvais esprits n'aiment pas la persévérance. Mais la fille, là, on t'a déjà dérangé, oh, on t'a déjà fait ceci, oh, tu es toujours là. Tu pries toujours. Tu espères toujours. J'espère toujours que Dieu va te délivrer.
Les mauvais esprits n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas la persévérance. Ils n'aiment pas. C'est pour ça que tu dois persévérer. Je sais que vous aimez seulement l'endroit où vous allez partir, on va faire comme ça là. C'est pour ça que quelque part aussi, tu dois apprendre à nettoyer tes pensées. À contrôler tes émotions. Parce que tu peux venir ici là, on t'enlève tous les esprits là. Bien, ça part. Tu reviens le soir. Tu fais encore les mêmes choses que tu as fait, qui a donné, ouvert la porte. Ils entrent encore, ils s'asseyent. Et quand ils sortent, ils reviennent avec des esprits encore plus forts. Vous savez, la Bible dit que l'état d'après est plus fort et plus difficile que l'état que tu avais avant. Donc, vous devez faire attention. Le tout, c'est pas de venir dire, oh, aide-moi, aide-moi. Non. Prends le produit. Assois-toi. Tu... Il y a une dame là, l'autre jour, elle vient. Je lui donne, un kit. Je lui prescris un kit qu'elle devait utiliser. Elle va en ligne, elle voit la vidéo. Elle dit, ah, donc je dois m'asseoir pour écrire ce que je veux. Je dois m'asseoir pour écrire les prières que je veux. Il dit, oui, tu ne veux pas faire, tu laisses. Toi-même, tu peux enlever les mauvais esprits qui sont dans ton corps là avec ta détermination. Ta purification. Ta soumission à l'Esprit Saint. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 8. 7 et 8. Lavez vos mains impures. Rapprochez-vous de Dieu. Il va se rapprocher de vous. Ils vont beaucoup vous chercher. Parfois, tu vas rester comme ça. Les douleurs qu'ils vont te donner, tu vas dire mince. Et je vous ai dit l'autre jour, priez beaucoup pour vos enfants aussi. Faites très attention les gens qui passent du temps avec vos enfants. Ton enfant ne doit pas dormir dans la pièce avec n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui doit dormir chez toi. Ce n'est pas n'importe qui doit dormir chez toi, mais vous dites, oh, je vous dis cash. C'est dans les personnes qui viennent travailler chez vous là, ils ont un mauvais cœur. Les hypocrites là vont venir avec vous. Beaucoup d'hypocrites vont venir vers vous. Hypocrite qui ne veut pas se repentir. Le jour où tu entends ce qu'il y a dans le cœur de la personne, tu dis, ah! Donc tu peux parler pour moi, tu aurais pu me tuer. C'est pour ça que tu me détestais. Oui. C'est Dieu qui te protégeait. Et sachez que quand quelqu'un n'avance pas autour de toi, hein, dans son cœur, là, il y a la méchanceté. Moi, il vous dit cache. Dieu n'est pas injuste. Il y a la méchanceté dans son cœur. Vous allez dire que je suis méchant, je m'en fous. Je vous dis, c'est un fait. Son cœur, là, est plein de méchanceté. J'ai une de mes ménagères d'avant. Un jour, je reste comme ça là. Je l'entends au téléphone. Oh yeah! Quand elle me voit. Oh madame. J'attends un jour au téléphone. Eh, c'est quoi? Mais quoi? Elle dit quoi? Je dis, eh. Donc, c'est la femme qui fait la petite femme ici là, comme ça là. Je comprends pourquoi tes choses n'avancent pas. Ta bouche là est gâtée. Et ces gens-là vont beaucoup prétendre. Ils vont beaucoup prétendre. Beaucoup. Beaucoup. Donc faites très attention. Vous avez besoin de discernement plus que jamais. Il y a aussi une autre catégorie de ces personnes qui vont venir comme les semblants, le counterfeit. En anglais, on dit counterfeit. Ils vont venir comme la fausse copie des choisis. Je suis aussi choisi comme toi. Hein. Je suis le bâton de commandement comme toi. Je mets le ndop comme toi. Ne te laisse pas tromper par ça. Est-ce que je te lave avec le sel? Ah, moi, je n'ai pas besoin de faire ces affaires-là. Moi, je n'ai pas besoin. J'ai à traverser cette étape. On a envoyé la personne pour t'enlever sur tes rituels de purification.
La personne-là est envoyée pour te détourner de ce que tu es en train de faire. Ah, moi, je ne paye pas la dîme. Hein. Moi, on m'a dit, moi, je ne paye pas la dîme. Moi, Tu finis la conversation avec la personne, ta tête est embrouillée comme ça. Là. Tu fais même 3 semaines, tu ne passes plus sur ma page. Oh, Colo, je parle moi seulement à ma papa. La personne t'embrouille. Avant que tu me parles avec, tu étais sûr. Tu finis la conversation avec elle comme ça, là, tu commences à douter de tout. L'affaire de choisir cela, c'est même quoi? L'affaire de couronnement, là, ça veut même dire quoi? Ah! Parce que j'ai même pensé que la dîme que je paye, là, ça arrange même qu'avoir sur mes finances. Ah! Écoute, on a lancé quelqu'un derrière toi. Parce que vous ne pensez pas que quand le matin, quand on sort les ordres, on donne aussi les ordres sur vous. Vous ne pensez pas ça? Moi, je suis qui? Je suis qui? Voilà, une copine t'a dit qu'elle paye sa dîme 1000 fois par an. Ce sont les idées qu'on plante dans ta tête pour te détourner ou te shake, pour te distraire des engagements spirituels que tu as pris, qui sont déjà en train de te transformer. Et je vous dis, les faux choisis sont pleins de haut. Comme ça. Certains là, vous dormez avec eux. Vous avez leurs enfants. Dans les 12 derniers mois, combien de Decepticons j'ai vu? La personne va venir sur 5 cases, il va vouloir ticker 2 cases, il va dire que non, les 3 autres ne sont pas nécessaires. Récemment, j'ai traité avec quelqu'un. Tu vois déjà des personnes que quand tu vois telle personne te faire du mal, tu dis ouais, que l'autre aussi m'a fait de mal. La personne dit ah bon, comment il a pu te faire ça? Quelques semaines plus tard, l'autre va dire ah bon, comment il a pu te faire ça? Le jour où lui-même il fait sa part, tu fais comment? Le jour où lui-même fait ça, tu fais comment? Ha! Quand j'ai découvert l'hypocrisie de ça, j'ai dit que yeah, hey, hey, hey. Massa. J'ai dit que ces personnes vont prier pour toi. Seigneur, je prie pour que la reine Jocelyne avance. Mais il ne sait pas que comme sa bouche a parlé, là, Dieu va faire. Seigneur, je prie pour qu'elle se stabilise. Seigneur, je prie pour que son argent augmente. Il ne sait pas que comme sa bouche a parlé, là, c'est Dieu qui l'utilise pour venir parler dans ta vie. Mais son cœur ne signifiait pas ce que sa bouche disait. C'est pour ça qu'on ne s'amuse pas avec un choisi. On ne s'amuse pas. Ils vont venir dire, oui, on est choisis ensemble, non. N'est-ce pas, nous sommes les choisis, non. Ils ont les choisis, non. Tu dis seulement oui. Mais l'affaire de choisir, là, c'est une place. C'est une place. Parce que le choisir n'a pas la malice dans son cœur. Le choisir n'a pas la malice. J'ai un de mes employés. L'homme-là n'aime pas le faux. Ah! Hé! Je lui dis même que falsifier le papier si pour aller payer même l'impôt. Il dit que non, si on doit attendre 3 mois, je préfère attendre 3 mois, madame. Moi, il ne peut pas aller faire le faux. Il dit non. Je préfère rester sans argent. Au lieu d'aller peut-être faire un truc. Non, madame, Il dit non, madame, je ne fais pas. J'ai dit, waouh. Je ne savais pas que ça existait. Quelqu'un, tu vas avancer, il est au milieu des autres employés. Les autres disent que oui, nous aussi, nous aussi, nous aussi. Mais après, il y a les épreuves qui vont séparer. Ça va détacher le bon du mauvais.
C'est pour ça que j'ai compris dans cette affaire-là. La patience. La patience. Il y a un passage là, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 13. Attendez, je vais vous le lire. Il y a beaucoup de vérité dans la parole de Dieu que j'aime beaucoup regarder. Attendez, parabole de quoi là? I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Matthieu 3, verset 12. Attendez, je cherche la parabole. Je crois que c'est Matthieu 13. Ouais, c'est 13. Oh, j'ai bonne mémoire. Ça, ça me plaît. Ok. On va lire Matthieu 13, verset 23 à verset 24 à 32. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Ok. On va lire. Écoutez un peu. Hein. Bonsoir. Bon, il leur proposa une autre parabole. Matthieu 13, verset 24. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ok? Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Et il a semé l'ivraie parmi le blé. Il est parti. Ok? Donc là, vous êtes là, vous êtes mélangé. Nicole, il te dit qu'il ne croit pas en Jésus, mais il croit en Dieu. Ne rentre pas dans, il y a les dialogues que ne perds même pas ton temps pour aller faire avec les gens. Ça te va te donner l'argent. Ta croyance va te donner l'argent. Donc, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Ça, c'est une technique de leadership que j'ai appris qui m'aide beaucoup. Je donne beaucoup de temps aux gens pour les observer. Et je leur dis toujours, ne me prenez pas pour une idiote. C'est juste que j'ai espoir que toi, ivraie, que tu vas être chanceux, que tu vas devenir comme le blé. J'ai espoir. Mais on ne change pas la nature de la plante là. Absolument pas. Donc, quand l'herbe a poussé et donné du fruit, l'ivraie aussi, ça a apparu. Donc, moi, monsieur, je suis grand. Ok. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ? D'où vient donc l'ivraie? On a dit, ça fait quelques mois, non? On a semé les bonnes herbes. On a mis l'avocatier, le manguier. Comment ça se fait qu'on trouve le sussongo, tout ça là? Écoutez bien ce que Dieu dit. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. J'ai des gens que connaissant leur mauvais comportement, je les ai gardés à côté de moi. En sachant que, là maintenant, si je retire ça, je vais aussi retirer le bon. Donc, je les mets tous ensemble. Je donne les conseils, le bon et le mauvais. Je les vois, je connais leur cœur. Je connais leur cœur. Je leur dis que je ne suis pas bête. C'est seulement, j'ai espoir que tu vas quitter de Songo
où tu vas devenir maïs. Malheureusement, quand tu grandis, tu n'as pas de goût, tu ne portes aucun fruit. Il dit, n'arrachez pas. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Il y a une saison. Tout le monde écrivait cela qu'il y a une saison. Vous devez connaître la saison de votre vie. Et là, il dit, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole, voilà, et après ça, il est parti pour dire une autre chose. Il y a une saison. Je déclare que c'est votre saison maintenant pour déraciner tous les ivraies de votre vie. Vous allez les attacher et les jeter au feu. Et tout ivraie que tu vas déraciner, je déclare que cet ivraie, j'enlève son pouvoir de revenir dans ta vie. Toute relation amoureuse, ou peu importe le genre de relation que vous avez, que tu vas décider de couper, d'arrêter, je déclare que ces personnes perdent le pouvoir de revenir dans ta vie. Au nom de Jésus. Et je déclare aussi la sagesse. Toi que tu ouvres, avant que tu ouvres tout, tu sais ce mot, Jean. Maintenant, tu sauras quoi dire à tes ivraies. Il y a des personnes à qui tu vas même souvent mentir sur toi. Ça va, tout va bien financièrement. Ah, c'est chaud, hein, ça ne va pas. Oh là là, ça ne va pas. Alors que chaque jour, ton argent augmente. Tu consommes la maison en cachette. Et c'est pas que tu as construit. Tu construis la maison en cachette. Ah, quand tu construisais, tu ne m'as pas dit. Tu étais mon ivraie. Je déclare que toute séparation, tout processus de séparation que vous avez commencé, vous le concrétisez au nom de Jésus. J'espère qu'on a terminé. Il faut aussi que vous soyez conscient que c'est demain qu'il va répondre à vos messages parce qu'il est 22h30. C'est que souvent vous écrivez dimanche dans la nuit, vous voulez qu'on vous réponde. Les secrétaires travaillent demain. Je viens vous détacher, je viens vous défaire, je viens vous dénouer, je viens vous délier de tout endroit où vous avez attaché toute personne qui avait, qui a pensé ou qui a voulu vous emprisonner. Je vous détache, je vous libère au nom de Jésus. Amen. Ok. On a terminé. J'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir identifier vos démons et savoir vous-même comment, à quoi vous soumettre. Ok. Bonne soirée.